acclamation. Clap offering. Avec des cris de victoire et des cris de joie. Shout of victory and shout of joy. Jésus de Nazareth. Jesus, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Ces frères nous disent que quelque chose s'est passé au Sénégal après la retraite, après la croisade. This brother said that something happened in his village after the retreat and the crusade. Il s'agit de quoi, frère? What is it about? Hallelujah! Yes. Gloire à Dieu. Frère, sois béni. Et je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sais que certaines personnes me reconnaissent. L'année passée, j'étais ici en 2022. Quelque chose s'est passé. Le Seigneur m'avait ressuscité ici à Tchékoa. Alléluia. Je suis le ressuscité de Tchékoa. Et il y avait quelque chose... On disait que à Tchékoa ne meurt pas. Finalement, on ne meurt pas à Tchékoa. Alléluia! Frère, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est à Tchékoa, acclame le Seigneur très Jésus-Christ. Fort. Jésus-Christ. Pousse des cris de joie. Des cris de joie, Jésus-Christ. Jésus. Alléluia! Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, on est venu avec une forte délégation pour témoigner que Jésus-Christ est à Tchékoa. Alléluia. L'année passée, lorsque je rentrais, le Seigneur avait fait quelque chose. Comme je disais, pendant mon brisement de lien, là-bas avec l'équipe de délivrance, le Seigneur m'avait délivré, me dit que tu ne fais plus partie des Sénégalais. J'étais mis à part pour mon œuvre au Sénégal. Et lorsque je partais, je disais ici, au Sénégal, je pars, quelque chose va se passer. Et le Seigneur a testé, a confirmé qu'en réalité, c'est lui-même qui m'a parlé. Alléluia. Jésus-Christ. Frère, lorsque je partais avec le ministère de la foi de Papa Meunier. C'est-à-dire que si mon père a cette foi, je crois et je vais m'inscrire à son école. Et je crois, malgré le pays qu'on appelle l'islam au Sénégal, l'évangile va pénétrer. Alléluia. Jesus. Frère, je suis rentré le 2 septembre de l'année dernière, de 2022. Frère, arrivé au Sénégal, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris une retraite de 3 jours. Lorsque je suis parti me concerter avec mon père, le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Va prêcher ma parole. J'étais déjà donné ma puissance. Et je vais montrer que c'est moi qui t'ai ressuscité, qui t'ai ressuscité à Tchékoa. Et je suis avec toi. Frère, j'ai cru et je suis parti dans ma zone qu'on appelle Djourbel. J'ai appelé mon père spirituel, le pasteur fidèle, Bakam. Je dis que, il était à Koumé. Papa, voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Va obéir. Alléluia. Frère, lorsque je suis arrivé à Djourbel, je me rappelle, c'était le 11 septembre. Frère, ce premier jour, un marabout m'a fait un défi. Il m'a amené une dame qui était folle. Il m'a dit que si c'est vraiment ton Dieu là, est vrai, guéris-la. Alléluia! Frère, j'ai prié pour la dame. Jésus-Christ. Elle était délivrée authentiquement ce même jour. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Ce marabout me dit que non, attends, ça c'est pas vrai. Attends, il est parti amener une autre. Alléluia! Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ. Frère, on a prié avec l'équipe et l'autre a été délivré. Le marabout dit que non, là, c'est vrai, votre Dieu est vivant, je donne ma vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus. Offre d'acclamation à Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. Clap of joy to the Lord Jesus, the shout of victory, Jesus of Nazareth. Alléluia. Le Seigneur me montrant qu'il est avec moi. Il m'a dit que ce n'est pas juste ici, frère. J'ai commencé à
prêcher l'évangile, ce que je n'ai jamais fait. Je partais de village en village. Et là où je pars, il y a eu des miracles qui se produisent. Des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Dans la zone, c'était une zone très hostile à l'évangile, qu'on appelle Djourbel. Cette zone, c'est les Mourides seulement. Ceux qui connaissent le Sénégal et ceux qui connaissent l'histoire des Mourides. Pour pénétrer l'évangile, c'est-à-dire que si tu joues, on va te tuer et il te tue. Mais Jésus a pénétré, il est entré jusqu'à l'intérieur. Alléluia! Frère, c'est pas fini là. Et j'ai appelé mon frère, j'ai dit que papa, ah, voici ce que Dieu est en train de faire. Le pasteur dit que je t'envoie un généraux qui va venir t'appuyer là-bas. Il s'appelle le frère Sada Baldé. C'est un ancien musulman, Paul. Et vous connaissez les peuls là-bas. Si tu crois, on doit te tuer. Alléluia. Mais le frère étant jeune converti, il est venu me trouver. C'est un fonctionnaire de l'État. C'est un sapeur-pompier. Il est venu avec sa moto, avec sa tenue. Je dis, frère, on va rentrer dans les localités. On est parti. Frère, ce jour-là, le Seigneur nous a surpris. On a eu 4 aveugles qui ont vu instantané. Jesus Christ. Que j'ai reçu du pasteur Boniface dans son bureau, c'est comme c'est cette impartition que le Seigneur a donné au jeune homme, au frère Sada. Et on était parti pour le frère, c'est lui notre missionnaire actuel dans la zone là où il y a eu la plus grande explosion dans la localité qu'on appelle Kolda. C'est lui qui est là-bas comme missionnaire. C'est le jour de son mariage. Alléluia. On partait pour célébrer son mariage avec sa femme, sa fiancée divorcée. Donc, on est arrivé 3 jours avant le mariage. Arrivé dans la localité qu'on appelle Djulokono, il y avait une fille qui était malade, frère. Si tu la voyais, tu dois dire non. La fille était mince, même pour se lever, c'est un problème. Donc, le jeune frère là, c'est son village, Sada Baldé. J'ai voyagé avec lui et sa femme et une soeur qui s'appelle Claude. Frère, arrivé dans la localité, on a trouvé la fille. Frère, si tu voyais la fille, tu pleurais. J'ai dit, frère. Le frère m'a dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit qu'on va prier. Il dit que, ah, quelque chose va se passer. Si mon Dieu est vivant, et si c'est lui qui m'a ressuscité, ah, tiens quoi, l'enfant là va marcher, elle sera guérie. Jésus-Christ. Jesus. Alléluia. Frère, c'était à 22h. Arrivé, étant fatigué. Frère, on a prié pour l'enfant. La fille a été délivrée authentiquement ce même jour. Sa maman ne pouvait plus comprendre. La fille s'est levée, elle a marché. Elle qui ne marchait pas, elle qui ne mangeait pas, elle a demandé à manger, elle a mangé. Alléluia. Frère, dans le village, frère, c'était la saison 16. Dans le village, les gens nous disaient que le lendemain, les gens nous disaient qu'ils entendaient les cris de l'enfant dans la forêt. Ils entendaient que l'enfant criait. Donc nous, l'enfant, là où on était, l'enfant ne criait pas. Le Seigneur l'avait fait sortir dans ce forêt pour ramener en elle-même. Alléluia. Jésus Christ. Frère, le lendemain, la nuit là, il y avait une forte pluie. On ne comprenait pas. Le lendemain, on ne sait pas qui a annoncé qui. Parce que les gens ne nous connaissent pas là-bas. Frère, la maison était remplie de gens. Jésus Christ. Alléluia. La maison était remplie. On avait prêché ce jour-là, je pense, 5000 et quelques personnes. Yeah! Frère, c'est là où qu'on a vu un papa ancien marabout, paralysé. Si tu voyais ce papa, tu as pitié. Je l'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, regarde cette âme qui va aller en enfer comme ça. Le Seigneur m'a dit, je l'ai déjà guéri. Frère, on est parti, on a dit, Seigneur, merci beaucoup pour la guérison que tu as accordée à notre frère. Parce que c'est un frère, le Seigneur a déjà parlé. Merci beaucoup, Seigneur. On a dit, papa, lève-toi. Le papa a jeté ses becs et s'est levé. Alléluia. Jésus Christ. Jesus. Alléluia. Frère, à travers ce papa marabout, c'est là qu'il a annoncé, le papa même est parti rapporter l'évangile. Il a amené avec les autres marabouts. Frère, ce jour-là, on a eu 65 marabouts qui sont donnés au Seigneur Jésus. Jésus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Frère, après son mariage, il est juste entré. Lui, dans sa zone, les gens
les âmes qui viennent du pasteur, pardon, ne parlent pas, ne rentrent pas ici là. Frère, c'est comme ça qu'on a eu des convertis, des gens se convertis, des anciens Paul qui se donnent à Jésus-Christ. Tournez pour dire, oh, nous voulons donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Frère, on ne pouvait plus, c'est vrai qu'on ne pouvait plus contenir, nous-mêmes, on était petits. C'est là qu'on est, on a envoyé une équipe forte du Mali qui est venue nous secourir, pour nous aider. Parce que les gens, c'était plus nous qui partons vers les gens, mais les gens venaient vers nous. Et c'est là que les autorités administratives, c'est-à-dire que les maires, ont pris la chose, c'est eux-mêmes qui organisent. Il dit que venez dans notre village, venez dans notre commune. Frère, ça va. Jésus-Christ. Jésus. Dans un il y a une commune là, oh, frère, je n'ai jamais vu une foule comme ça. On a comptable, c'est le jour où le papa était au Libéria avec maman. Donc, frère, je suis sorti, on m'a dit que. Non, je priais. Je dis, Seigneur, oh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le Seigneur m'a dit que j'étais déjà amené des gens. Frère, je suis sorti. Après, j'ai demandé les effectifs. On m'a dit 12 000 personnes qui étaient sur place. J'étais ébahi, dépassé sur ce Dieu-là. Frère, j'ai compris une chose. Et depuis le premier jour que le pasteur prêche, c'est la même chose, c'est le même slogan que Dieu nous enseigne au Sénégal. L'amour. Frère, là où il y a l'amour dans les actes des apôtres, c'est pas hasard, Dieu se manifeste. Frère, il y a où l'amour, l'attachement, la charité, là où il y a la compassion, le pardon mutuel. Frère, Dieu se manifeste. Et c'est comme ça, Dieu nous a préparés en tant qu'équipe, en tant que frère, soldat du Christ, en tant qu'ambassadeur. Frère, on a jugé le murmure autour de nous. On a jugé les plaintes. On a jugé l'orgueil au milieu de nous. On dit on est des serviteurs inutiles. Alléluia. Frère, le Seigneur s'est manifesté puissamment dans nos vies. Dans ma famille, dans la vie des frères. Aujourd'hui même, le frère, on devait venir ensemble, le frère Sada. Mais il ne peut pas. Les gens nous sollicitent partout. Les gens nous sollicitent. C'est là qu'on a pénétré la Guinée-Bissau. C'est là qu'on a pénétré la Gambie. C'est là qu'on a pénétré la Mauritanie, la frontière de la Mauritanie. Alléluia. Seulement, frère, une année, moins d'une année, à Tchékoua a changé ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je manque de mots, frère, pour juste témoigner la grandeur. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai juste paraphrasé. Un jour, frère, par le téléphone, un monsieur vivant aux États-Unis, il avait le cancer du pancréas. Frère, il était en phase terminale. On nous appelle au téléphone. On dit, pasteur, ah, fais quelque chose. J'ai dit, non, fais-le qui vient. On m'a dit que non, il ne peut pas venir. Frère, ils ont appelé. J'ai juste rendu grâce au Seigneur Jésus-Christ. Pour la vie de cette personne. Le Seigneur m'a dit, je l'ai déjà guéri. Alléluia. J'ai dit, monsieur, allez à l'hôpital, vérifiez si vous êtes guéri. Le monsieur est parti à l'hôpital. Il a fait 5 tests. 5 tests, j'ai dit. Il a vu que le cancer a disparu totalement. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. Jésus Christ. Jesus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesterday, today and forever. Les gens au téléphone, les gens appellent, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus même répondre. C'est-à-dire qu'on ne dormait même pas. On répondait les téléphones, on priait pour les gens de loin, de l'extérieur. Même le frère, la fois passée, il a prié pour une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Frère, après la prière, la femme a commencé à voir ses menstrues. Et aujourd'hui, la femme, on nous dit qu'elle est enceinte. Frère, ce Dieu qui est adoré ici à Tchékoua, le Dieu de Pasteur Meunier, de Maman Colette, le Dieu de Zacharias Tanefoumoum, frère, il est Dieu véritable. Il est vrai. Frère, tourne et regarde ton frère, dis, ouvre ton cœur et Dieu va te rencontrer ici à Tchékoua. Ta vie ne sera pas le même. Alléluia. Lèvons nos mains. Miracle, yeah, je suis délivré. Je suis la fête. Jésus-Christ. Miracle.
miracle. Vrai miracle de Jésus. The new miracle of Jesus. Si Jésus est vivant. Say Jesus is alive. Il est ici. He is here. Il peut le faire pour toi. He can do it for you. Il va le faire pour toi. And he will do it for you. Il le fait pour toi. He does it for you. Il l'a fait pour toi. He has done it for you. Dis amen. Say amen. Certaines personnes vont constater que la maladie est partie. Some people will just notice that the disease has left. Miracle, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Miracle, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Miracle, je suis dépassé. Il m'a guéri aujourd'hui, je suis dépassé. C'est le frère Pierre Biagi, disciple du pasteur Fidèle Bakam. Bon, juste, je voulais ajouter un peu par rapport à ce que mon frère Jean là vient de vous communiquer. C'est moi qui est le frère qui est dans cette zone. Mais à travers le mouvement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses que, comme quoi, quand même, des fois, quand il y a des grandes résistances quelque part, peut-être il y a des grandes choses qui se cachent derrière ces choses. Parce que le mouvement est venu à travers mon mariage. Les frères sont venus pour célébrer mon mariage. C'est à travers le mariage que l'explosion s'est passée dans ces zones à Kolda. Mais juste, il y a des événements qui sont passés avant le mariage.
qui étaient des événements terribles, vraiment terribles, je dis. Parce que le jour que je suis parti à la mairie pour déposer les dossiers de mon mariage avec ma fiancée, en rentrant, j'ai fait un accident. Alors que j'étais dans cette zone 3 ans sans jamais faire d'accident, je marchais même avec un bâton. J'ai appelé la sœur Prudence, c'est la femme du pasteur Omega, elle est en France. Je l'ai appelé au téléphone pour lui expliquer ce qui m'est arrivé. Elle m'a dit, frère, fais attention. Par rapport aux choses que tu es en train de me dire là, ça montre qu'il y a des choses qui vont se passer après ton mariage. Il y a des grandes choses qui vont se passer. C'est ce que le diable a connu. C'est pourquoi il veut bloquer cela. Moi, je croyais que c'est l'accident, après ça va se passer. C'est bon. Ma femme, lorsque j'ai payé la dot, son grand-père, dans la maison, là où elle vit, là où elle est née, grandit, son grand-père est tombé, paralysé. Lorsqu'elle est tombée paralysée, quelques mois, lorsqu'on a fixé la date du mariage, son grand-père est décédé, il est mort. Sa petite sœur, qui devait attraper sa robe du mariage, on avait déjà préparé sa tenue, ce qu'elle devait porter sur le jour de la cérémonie. Sa petite sœur est décédée. Du coup encore, ma grande sœur, de même père, de même mère, c'est elle qui a fait la décoration de la salle et tout. Le moment où elle était partie sur le son tailleur pour récupérer ses vêtements, elle a fait un accident encore. On m'a appelé pour me dire que ta grande sœur a fait un accident. Frère, juste pour vous dire qu'il y avait des moments terribles avant le mouvement. Il y avait des moments terribles. C'est pourquoi lorsque le mouvement s'est déclenché, je me suis rappelé des paroles que la sœur Prudence m'avait dit. Elle m'a dit que le diable connaît qu'après, à travers le mariage, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a un constat que j'ai fait à 3 ou 2 mois avant le mariage. J'étais parti dans la maison de mon fiancé. C'était la nuit. Je rentrais. Je lui ai dit que bon, je vais rentrer jusqu'à demain. Elle m'a dit non, reste après. Je lui ai dit que non, il faut que je rentre. Elle m'a dit que toi, tu n'as pas l'habitude de rentrer à 7 heures. Pourquoi tu veux rentrer? Je lui ai dit que je ne sais pas, mais laisse-moi rentrer. Lorsque j'ai pris ma moto en coup de rue pour partir, à côté d'un mosquée, j'ai dépassé un grand mosquée. C'était la nuit. J'ai vu une foule immense sur le goudron. J'ai foncé, j'ai traversé, j'ai vu une fille qui était allongée par terre. Il y avait les malsis, les imams, tout le monde était autour de la fille. Donc j'étais obligé de garer ma moto et de revenir pour voir ce qui s'est passé. Parce que moi-même, je croyais que c'était un accident. Lorsque je me suis approché de la foule pour chercher à connaître ce qui s'est passé, les gens, comme ils parlaient la langue peul, moi je ne comprenais pas. Mais j'ai insisté, qu'est-ce qui se passe? Les gens m'ont dit qu'il y a un cancouran. Le cancouran, c'est des choses traditionnelles. Qui a passé là-bas, la fille est tombée par terre. Donc eux, ils cherchaient des moyens pour le faire relever, mais ils n'ont pas pu. Je les ai dit, pardonnez-moi, laissez-moi entrer. La foule là, ils m'ont laissé un accès, j'ai abordé la fille par terre. Et j'ai prié, j'ai commandé à la fille, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. La fille s'est relevée automatiquement sur la foule. Jésus-Christ. Amen. Je l'ai fait exprès. J'ai répété le nom de Jésus 3 ou 4 fois pour attirer l'attention sur quel nom que je suis en train de prier pour la fille. J'ai prié, la fille s'est relevée. Lorsque la fille s'est relevée, moi je n'ai pas posé de questions même. Automatiquement, j'allais sur ma moto, les gens m'ont attrapé. Ils m'ont dit, dis-nous qui tu es et tout, d'où tu habites. Je les ai expliqué la base de notre ministère. Le lendemain, il y a une fille qui est venue avec d'autres personnes même. Elle m'a dit, pasteur, je suis venu parce que mon mari là est au Maroc depuis des années. Il n'est pas revenu. Je veux que tu pries pour qu'on se divorce maintenant. Je lui ai dit non. Nous ici dans la CMC, on ne sépare pas les couples. Je peux prier pour que Dieu vous unisse encore de plus. Mais si c'est autre chose, je peux prier quand même. La fille est partie. Amen. Même à travers le mouvement, pour vous montrer que Dieu était vraiment descendu au Sénégal. Même il y a les voisins là, qui ont perdu le bétail, les chèvres, ce genre de choses. Ils sont venus me dire, j'ai perdu ma chèvre. J'ai prié la chèvre et elle est venue à la maison. Ce n'est pas une seule fois. Pour confirmer que c'était Dieu, il y a environ 4 personnes. Parce qu'eux, ils se parlaient entre eux. Quand quelqu'un perd son bétail, il dit, allons chez le pasteur. Il vient, je commande à ses chèvres, là où il est, de retourner à la maison. Le soir, les gens viennent me dire que la chèvre est revenue à la maison. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Même à travers le mouvement, il y avait des foules immenses comme ça. J'étais parti dans un endroit, là où il y avait une foule immense. Donc j'étais étonné. Je disais dans mon cœur, Seigneur, est-ce que je peux toucher tous ces gens-là?
Après, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Juste pour manifester ma foi, pour montrer que Dieu était là-bas. Je chantais comme ça, comme quelqu'un qui est fou pour eux. Je chantais, chantais. Lorsque j'ai fini de chanter là, j'ai demandé à la foule qui a constaté qu'il a été guéri. Les gens se levaient et donnaient le témoignage. Les gens se levaient. J'étais dépassé même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jesus. C'est un livre dont on ne peut pas tout lire ce soir. It's a book. We cannot read it all here this evening. Écrivez ce livre là. So write this book. Yes. Pasteur Traillé. Pasteur Traillé. Qu'est-ce que vos yeux ont vu? Qu'est-ce que vos mains ont touché? What have your eyes seen? What have your hands touched? Acclamons ensemble Jésus-Christ. Let us clap for the Lord Jesus together. Vous savez, le renversement des principautés personnelles et familiales est une, c'est un programme de réveil. You know, the overthrow of family and personal principalities is a program of revival. C'est un programme de conquête. It's a program of soul winning. Pour la première fois, j'ai vu une famille sauvée. Le père, la mère, les enfants, les maris, les petits-enfants, les épouses. Une famille, toute une famille devant moi. For the first time, I saw an entire family saved. The father, the mother, the children, etc. All of them saved and before me. Quand les principautés sont renversées, when principalities are overthrown, il y a des miracles. There are miracles. Donc, travaille sur les idoles, enlève toutes les idoles de ton cœur. So work on the idols, remove all the idols from your heart. Et le frère vient de dire ce que Dieu nous a dit, je crois au premier jour. The brother has just told us what God revealed to us on the first day. Il faut remplir les conditions pour élever une seule voix devant Dieu. You must feel the conditions to raise a holy faith before God. Ça fait trembler la terre. It makes the earth shake. Abandonne tout péché. Abandon any sin. C'est une affaire de minutes pour abandonner le péché. C'est une décision de ton âme. It's a question of minutes. To abandon sin is a decision of your soul. Il suffit de dire, ça suffit. You just have to say, it's enough. C'est assez. It's enough. J'arrête. I stop. Et tu es délivré. And you are delivered. Oui, Pastor Traillé, qu'est-ce que vous avez vu et touché? Brother Traillé, what have you seen and touched? Gloire à Jésus-Christ. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec des cris de joie. Jésus-Christ, notre Dieu est tout-puissant. Hier, yeah. Le Seigneur a encore opéré des miracles. Comme rapport de la journée d'hier, les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons, 90 personnes. Le nombre de démons chassés, c'est-à-dire que les démons qui disent leur nom, en partant, oh, c'est à qui nous avons posé la question, tu t'appelles comment? 262 démons chassés. Nombre de guérisons observées, les personnes guéries instantanément, hier, 450 personnes. Parce que quand le pasteur a dit, si tu as envie de vomir, tu as la nausée, rejoins de l'équipe de délivrance, on a été envahi hier. Et Dieu a opéré de grands miracles. Ce matin, nous avons enregistré 3 baptêmes. Nous avons baptisé 3 personnes. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre 3 témoignages. Un témoignage de guérison. Et 2 autres témoignages de délivrance. Les 2 témoignages de délivrance et le témoignage de guérison va achever. Au niveau des délivrances, pendant que le pasteur priait, il y a 2 sœurs
qui sont venues à notre niveau. La première sœur, elle disait, pendant que le pasteur commandait, elle a eu les vertiges. Parce que nous avons supplié beaucoup hier Dieu pour qu'il intervienne dans nos familles, demandant pardon. Pendant que le pasteur lui-même conduisait la prière, elle a eu les vertiges, elle s'est retrouvée à notre niveau. Elle dit, elle se retrouvait dans une tombe. Et à notre niveau, pendant qu'on priait pour elle, les tombes s'explosaient. Beau, beau, beau. Et elle est sortie d'une tombe. Et elle a commencé à marcher. Elle a retrouvé une semeuse qui est venue l'accueillir. Et elle s'est retrouvée au niveau des frères. Une autre sœur, le deuxième témoignage de délivrance, elle disait, elle s'est retrouvée au milieu d'un feu, un cercle de feu. Et une main blanche l'a retirée au milieu de ce feu. Par le passé, physiquement, elle dit, elle sentait qu'il y avait quelque chose au niveau de sa gorge. Donc, elle avait du mal à avaler la salive. Donc, quand la main blanche l'a enlevée au milieu du feu, qu'elle s'est retrouvée dans un lieu saint, elle s'est vue en train de vomir dans une vision. Et un arrêt de poisson est sorti de sa gorge, est tombé. Quand elle s'est retrouvée à notre niveau, elle a vu qu'elle pouvait maintenant avaler la salive sans difficulté. Elle était authentiquement délivrée. Un frère, pendant qu'on priait pour lui, toujours quand nous étions en train de supplier le Seigneur pour que Dieu intervienne, qu'il pardonne. Quand le pasteur a dit, si tu as la nausée, oui, c'était à cette période-là, si tu as la nausée, rejoins l'équipe. Quand il est arrivé, il dit, pendant qu'il se retrouvait en train de vomir dans une vision, il a vu un serpent qui était enroulé. Et c'est ce serpent-là qu'il a vomi dans la vision. Mais le serpent était déjà mort. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Avec des cris de victoire. With shouts of victory. Ça, c'est une autre sœur maintenant. La sœur Zénab. Elle vient d'Umputo toujours. Elle nous a retrouvés hier soir. Après la prière, elle est rentrée. Elle dit, subitement, elle a eu des terribles maux de tête. C'est comme ça qu'elle nous a cherchés. Quand nous avons dit, nous retirons ta tête, le démon a dit, vous m'avez eu. Elle a poussé un cri, waouh! Le démon est parti. Nous avons donné la vraie tête de notre sœur, les mots ont disparu. Frères bien-aimés, nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu, qui est fidèle, qui est bon, qui a pitié de ses enfants, qui délivre, qui continue de délivrer. À lui soit toute la gloire. Amen. Si Jésus t'a guéri authentiquement, if Jesus has healed you genuinely, depuis le début de la croisade, from the beginning of the crusade, viens rendre témoignage. Come and testify. Soyez très bref, direct, comme ça on peut appeler d'autres personnes. Go straight to the point and be brief, so that another person can come. Et les témoignages font partie du combat spirituel. Testimonies are part of the spiritual warfare. Pendant que tu écoutes, while you are listening, tu causes avec Dieu. You speak with God, you chat with God. Dis à Dieu, je crois que tu as fait ça. Tell God, I believe you've done this. Bénis-moi aussi. Bless me too. Oui, vas-y. Yes, go on. Offrande d'acclamation, Seigneur Jésus-Christ. Acclamation avec la victoire. Je suis la sœur Takoché Madeleine du Cameroun. Quand je suis arrivée, j'avais très mal au bras. Une douleur atroce. J'ai même essayé de voir le docteur Anas, mais il ne m'a rien donné. Et je reçois ma guérison le jour où le pasteur dit que
même le palu, quand le palu, que tu as été guéri du palu, rend témoignage parce que je me disais que c'est des petites choses. On n'a pas besoin d'importuner Dieu pour ça. Oh, c'était un mensonge de Satan. Alors j'ai reçu ça. J'ai reçu ça que je suis guéri. Et quand il disait lève les mains, j'ai commencé à faire, mais Dieu me dit, mais tu as reçu. J'ai levé et depuis ce jour-là, j'étais délivré de ce mal de bras. Amen. Amen. Et s'il te plaît, pasteur, à cause du fait que je suis dans l'équipe de la restauration et que je ne peux pas être ici facilement au témoignage, je voudrais que tu m'accordes cette faveur, s'il te plaît. Quelques 5 minutes. Je voudrais témoigner que le Seigneur a délivré mon petit frère de la dépression. Et je voudrais exposer les œuvres de Satan qui le faisaient porter. Les couvercles, le couvercle de la marmite, pas la casserole, la macocotte, un gros couvercle. Il portait, il marchait avec comme le bouclier. Il avait la machette sur lui pour sa défense. Il a traîné ça. Mais le Seigneur l'a délivré complètement. Satan est méchant. Il avait traîné mon petit frère dans la poubelle. Mon petit frère dormait dans la poubelle. Quand j'ai vu ça, j'étais attristé. J'ai pris le téléphone et envoyé le voice au pasteur et son épouse. Mais immédiatement, le Seigneur m'a demandé de supprimer et m'a dit, j'ai entendu comme la voix du pasteur Boniface, lève-toi, c'est toi qui vas travailler ça. Et je me suis levé. Je me suis engagé. Le Seigneur a exaucé, il nous a donné la victoire. Il est authentiquement délivré. Jésus. Amen. Jesus. Clap of praise. Jésus Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Kwayo Béatrice. Il y a pour faire le pasteur Conan Donatien. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré à travers les témoignages rendus le samedi et le dimanche. Et mon premier témoignage, lorsqu'ils ont annoncé dans les assemblées, on a commencé à renverser les idoles. Et j'ai pris des moments de gêne à commencer à renverser les idoles. Et j'ai fait un son dans le son, je me suis retrouvé dans mon village. Et dans le son, c'est comme il y avait une grande foule. Et j'étais parmi dans la foule. Et j'ai vu le pasteur Meunier Boniface. Il allait me retirer dans la foule. Et il m'a envoyé au milieu de la foule. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et les démons ont commencé à manifester. Et quand il a fini de prier, il a dit, cette femme souffrait depuis des années. Elle souffrait d'un esprit de dragon. Mais aujourd'hui, elle est délivrée. Et je me suis réveillée dans le songe. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur. Le samedi, quand on est arrivé ici, il y avait une soeur qui rendait son témoignage que elle souffrait d'un mari de nuit. Et le pasteur dit comme ça que quand on rend les témoignages, écoutez bien, par ces témoignages, vous pouvez aussi retrouver votre délivrance. Et j'ai commencé à prier parce que je vivais cette situation aussi. Et lorsqu'on a commencé à prier, il a commencé à tousser et il a commencé à vomir. Et les frères sont venus me tirer, parler, prier pour moi. Vraiment, le Seigneur m'a délivré d'un esprit de mari de nuit. Ce matin, je vais dire merci au Seigneur. Et le dimanche aussi, il y avait un frère qui a rendu le témoignage qu'ils ont renversé un principauté dans un village. Lorsque je suis arrivé ici le dimanche, je ne pouvais rien faire. Il y avait une migraine forte qui me frappait. Tout ce qu'on faisait, j'étais abaissé. Et il y a eu ceux qui me dit, il faut aller à l'infirmerie, ils vont te donner les comprimés. J'ai dit, ah, je ne peux pas aller là-bas parce que je ne vais pas rompre les gènes. Donc vraiment, je souffrais. Quand le frère a commencé à rendre le témoignage, c'est comme si quelqu'un a touché ma tête. Et il y a eu quelque chose, il a arraché quelque chose au niveau de ma tête. Et la douleur a disparu jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. S'il y en a encore, tu peux garder ça. J'ai senti que je souffrais d'une principauté. Donc, je vais dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a délivré de ses esprits. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kanga Yao Tanguy, disciple du pasteur Hassan. Je veux rendre gloire au Seigneur pour deux faits. Alléluia. Le premier jour que nous sommes arrivés, le premier jour de la croisade, quand nous avons, j'ai traîné une douleur au pied gauche. J'ai traîné cette douleur pendant près d'un mois. Et
j'ai même partagé avec un frère qui m'avait dit c'est un problème de nerfs. Alléluia. Et au deuxième jour de la croisade, je me suis juste rendu compte que la douleur a disparu. Aujourd'hui, quand le pasteur a demandé ceux qui avaient été visités depuis le premier jour, j'étais assis et j'ai fait le pied comme ça, j'ai senti que j'ai juste remarqué que la douleur avait disparu. Je suis venu dire merci au Seigneur pour cela. Alléluia. Et le deuxième témoignage, je voulais dire merci au Seigneur parce que pour attester le témoignage des frères du Sénégal, pendant que le pasteur de Gonzac donnait les consignes, et je regardais dans cette direction et j'ai vu le frère du Sénégal qui était arrêté. Et le Seigneur, c'était comme une vision, le Seigneur me disait que ces frères-ci sont venus voir le modèle pour aller répandre la chose au Sénégal. C'était avant qu'ils rendent le témoignage. Je n'avais pas compris pourquoi. Et c'est après avoir entendu le témoignage que j'ai compris ce que le Seigneur veut faire au Sénégal. Je veux vraiment bénir le Seigneur qui ouvre les portes de la délivrance et de la bénédiction au Sénégal. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.